Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle série sur Castle Story, un petit city builder qui fait suite à la série sur Stonehearth, ce qui vous avait bien plu en multijoueur, et oui, en multijoueur, car on est toujours avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. Et donc, ça démarre direct, hein, puisque c'est un jeu qui prend le parti de ne pas avoir de pause du tout. Plus précisément, il y a une pause, mais elle n'est pas active, quoi. C'est-à-dire que quand on met pause, bah, il se passe, on peut rien faire, rien cliquer, que dalle. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, le concept, c'est quoi? Pendant que les mecs y bossent, le concept, c'est qu'on a chacun notre village, hein, un peu comme dans Stonehearth. Donc, moi, je serai vert ici en haut de la map, et Katox est bleu tout en bas. Et toutes les 10 minutes, on va se prendre une vague de mobs sur la tronche, et il faut qu'on survive le plus longtemps possible. Donc là, on voit que la première vague, il y a 15 minutes, parce qu'il faut quand même le temps un peu d'être prêt, quoi. Mais faut quand même pas traîner, hein, à se préparer. Non, sinon tu meurs très vite. Ouais, disons que les mecs de base sont absolument incapables de gérer les premières vagues, très très clairement. Donc on va se lancer immédiatement. Donc du coup c'est un petit jeu. Bon, moi j'ai pas beaucoup joué, hein, je le découvre un peu, mais toi tu l'avais c'était un truc Kickstarter et tu l'avais pledgé, je crois, Ketox, hein, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça, je l'avais chopé en early et ils ont fait une grosse refonte assez récemment d'une bonne dose du gameplay. Donc pour l'instant, je suis à peu près au même stade que toi, je redécouvre. Bah du coup on va voir, c'est un jeu qui prend du coup le parti effectivement de la comment dire, je trouve pas mon mot, du réalisme, voilà, dans le sens où effectivement on peut créer des murs, etc. Donc on va pouvoir monter des châteaux, et c'est on n'a pas de plan et tout comme dans Stonehearth, c'est vraiment très c'est des briques à l'origine. Et il va falloir qu'on fasse nos murs et tout pour se défendre, qu'on fasse des armes, etc. Bon, ça reste relativement classique dans le concept, mais plutôt efficace, j'ai trouvé jusqu'ici en tout cas. Surtout l'aspect création, château et autres, très Ouais. bien rendu, je trouve. Ouais, tout à fait. Alors, les mecs, vous avez récolté assez de bois, vous allez vous détendre 2 secondes. Il nous faut de la caillasse. Donc toujours pareil, hein, je serais probablement pas ultra optimal au niveau des stockages, des trucs qu'on peut faire. Je m'excuse d'avance. En même temps, c'est très dur d'être optimal très vite. Ouais, bah déjà maîtriser le concept des murs et tout, j'ai eu un petit peu de mal. Alors ici, on va accepter le fer. Et ici, on va accepter du soufre. Me suis gouré. Ici, du fer. Voilà. Donc là, on a du soufre et on a du fer. Parfait. Est-ce que je ne me serais pas gouré ici? Oui, je leur demande de ramasser du fer alors que c'est de la pierre qu'il faut ramasser. Autant pour moi, les gars. Ramassez-moi de la caillasse. Donc on a un cristal, hein, qu'il va falloir qu'on défende. C'est le concept, le petit truc vert que j'ai au milieu là. C'est ça que vont essayer de détruire les corruptons qui vont nous attaquer. Et ben tout simplement, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'ils survivent le plus longtemps possible. Et comme vous voyez en bas, là, il y a une petite jauge d'énergie qui se remplit. Quand elle est remplie, on peut invoquer un nouveau briqueton. Et d'ailleurs, je me posais la question si quand on tuait des corruptons ennemis, ça remplissait pas la jauge. Si, Mais... c'est ce qui te fait progresser. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé, hein, que ça allait un peu plus vite quand on les tuait. Oui, c'est bien. Sinon, elle se remplit vraiment très lentement. Trop lentement. Et dans ce mode de jeu, on peut pas ramasser des cristaux sur la map. Il y a des modes de jeu où on peut ramasser des cristaux sur la map pour la remplir, mais pas en invasion. Au fabriqué, j'ai l'impression qu'il se galère à fabriquer ma fournaise. Ah si, ça y est, c'est bon.
Allez, on va lancer de la production de lingots de fer hein, pour commencer. Et on va faire... Alors, nos ateliers, ils vont être par ici. On va faire une palette et un établi à côté. Et on va également faire un petit râtelier pas trop loin. Voilà. Pour poser les premières armes qu'on va faire. Bon, j'ai essayé de poser du stockage de soufre et de fer près de la fournaise, mais malheureusement, ils préfèrent le mettre plus loin. Si tu maintiens le clic droit sur ton stockage, tu peux dire ce que tu préfères. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit je veux du soufre sur une et du fer sur l'autre, mais comme c'est plus proche les autres palettes, bah ils préfèrent les mettre dans les autres quoi. Ah oui. Donc bon, c'est pas grave. Faudrait probablement que j'ai mis ma fournaise peut-être plutôt du côté où il y a les mines. C'est pas trop gênant. Hein. Ils vont courir un peu. Après tout, ils sont là pour ça. Et ici, on va fabriquer un peu d'équipement d'albardier. Donc il y a tout un tas de types différents d'armes. Donc on verra un peu jusqu'où on peut aller. Mais il y a des albardiers, des archers, des arbalétriers, des mecs qui lancent des bombes, des prêtres, enfin il y a tout un tas de trucs. Là-dessus, ils ont bien réfléchi le truc. Ouais, ouais, c'est assez sympa. Ouais. Honnêtement, c'est assez sympa. Donc, on va essayer de faire le plus longtemps possible. Hein. L'idée, c'est de tenir aussi longtemps qu'on peut. Avant de décéder, puisqu'il est fort probable qu'on va décéder. Enfin, en tout cas moi. T'inquiète, c'est limite si j'ai pas à mourir avant. Du coup, on s'entraide pas vraiment en fait. Hein. Pour le coup, on est dans la même équipe, c'est-à-dire qu'on n'est pas en opposition directe. Mais par contre. On n'est pas là pour s'aider plus que ça. Hein. Non. T'as un mec bleu qui vient chez moi, je sais pas ce qu'il fout. Oh, il a encore décidé qu'il y avait une des bûches qui était tombée qui devait lui appartenir. Ah oui, à sans doute, ouais. Bah écoute, s'il se retrouve sur le chemin pendant qu'il y a des trucs qui pop, bah écoute, je ne serais pas responsable. Ouais. Ça t'arrange. Ah bah bien sûr que ça m'arrange. Carrément. C'est évident. Ici du soufre. Hop. Alors, on a trois mecs qui font plus ou moins rien visiblement. On va recommander un petit peu de lingots de fer. Je sais même pas s'il s'est cassé avec une bûche. Ouais, il s'est cassé avec une bûche. Ok, très très bien. Ouais, là-dessus, on a vu. Alors, c'est parti. Donc on va commencer à faire des petits murs. Hop, pour boucher un petit peu le terrain. Cet endroit-là est un peu merdique à bloquer, mais c'est pas grave, on fera avec. Ici. On va se placer là, je pense. Ah zut, faut que j'arrive à le foutre en dessous du coup. Voilà. Parfait. Hop. Donc on va les faire taffer, hein. Ils sont là pour ça. C'est au boulot. Tout à fait. C'est exactement ça.
Alors ici on va leur demander, alors pas là. Hop, on va réduire un petit peu. Et on veut surélever, je pense. Voilà, comme ça on aura une plateforme. S'il l'a pas déjà fait, oublie pas d'invoquer le Brictron qui est offert. Ouais, je l'ai pas encore fait, mais je vais m'en occuper dès que j'ai fini ce truc. J'aimerais bien que ce soit un chouïa plus haut. Ça fera le taf pour l'instant. Alors, viens ici, Nico. Alors ouais, on peut pas renommer les Brictrons malheureusement, donc je ne pourrais pas mettre les noms enfin vos noms, tout simplement. Mais le cœur y est. L'envie y est, on y pensera. On L'envie sera y est, fort à vivre. tout à fait. Alors, il me faut un métier à tisser. On va mettre plus ou moins à côté des plantes. Ouais, il y en a un peu partout des plantes. Mettons par ici. Hop là. On va t'étendre. Voilà. On a déjà deux équipements d'hallebardiers, ça devrait permettre d'arrêter la première vague relativement sereinement, on va dire. Alors ici, je voudrais des plantes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est pas fini ça? Non, c'est pas fini, on dirait. Ça y est, là c'est fini. Donc on va pouvoir faire des petits équipements. Donc juste à côté, on va faire deux palettes. Et c'est. Bah c'est rien, c'est l'établi qu'il me faut, je crois. Oui, c'est l'établi qu'il me faut. Farpé. Bon, c'est la première fois que j'essaye de faire en sorte que les palettes et tout soient à peu près optimisées, donc je sais pas du tout si ça va vraiment fonctionner. Un truc qui marche bien, moi je fais des rangées de 4 espacées de 1. Bah moi en fait, Ça. j'essaye de les mettre proches, tu vois, des trucs qui sont censés s'en servir. Ah oui. Mais sinon oui, je fais comme toi, des rangées de 4 espacées de 1, c'est le truc que j'ai assez naturellement fait. Mais tu vois, j'essaie de mettre des trucs à lingots auprès des établis, puis après des trucs à. Enfin du fer près des fournaises, etc. etc. mais c'est pas. Bah, je pense qu'ils vont quand même relativement vite Ouais. pour ne pas devoir optimiser à ce point-là. Ils vont relativement vite, ouais. Toi, tu pars sur du truc en bois, du coup. Ouais, c'est ce qui se construit en premier, mais normalement, il y aura des cailloux derrière. Ou alors ils sont en train de construire ça, mais ils n'arriveront plus à aller aux cailloux, donc je devrais me démerder. Bah, cela dit, moi, vu l'énorme truc que j'ai besoin de fermer là. Je sais pas, t'as combien d'accès toi? 1, 2. T'en Quoi, as, c'est vrai j'ai. que t'en as un qui est bien, bien large au fond. C'est vrai que t'en as 4 toi du coup. Ouais, du coup, j'en ai 4. Après tu peux. T'en as un qui paraît énorme, mais si tu te décentres un peu de ta base, tu peux fermer un endroit assez facilement un peu plus bas. Ah oui, exact, je peux fermer là, ouais. T'as raison. Sera peut-être un poil plus Plus simple. optimal. Allez, 10 secondes. Bon, de toute façon, la première vague, t'as pas de mur.
Alors, je sais pas si chacun reçoit une vague ou si on en reçoit. Ah, ça je sais pas. On va voir ça. Ok, donc ils sont partis. Donc on va faire un petit appel aux armes pour récupérer les armes qu'on a. C'est-à-dire pour l'instant pas grand-chose parce que j'ai oublié de mettre un râtelier pour mes archers. Alors normalement quand ils arriveront on devrait les voir apparaître, donc pas de stress pour l'instant. Sauf qu'il y a des mecs verts qui se baladent pour aller chercher Tétron cette fois je crois. Ah, chacun son tour. Ouais. À toi de vivre cet affreux stress. C'est ça. De te dire, est-ce qu'il va mourir? Va-t-il survivre? Va-t-il survivre? Je sais pas du tout où ils sont là, hein. Je sais pas si t'en as vu venir, mais... Non, mais s'ils ont popé de l'autre côté de l'île, il faut le temps qu'ils arrivent. De mon côté, c'est clairement calme en tout cas. Du coup, on va demander une mine. Hop là. Ah, ils sont chez toi. Ouais, je les vois. En avant. Petit hallebardier. Tapez-moi sur ces gens. Donc c'est Nico et Ariel, nos hallebardiers du jour. Très très bien. Du coup, à Allez. mon avis, à chaque vague, en fait, un coup c'est toi qui l'as, un coup c'est toi qui. C'est moi qui dois l'avoir. Ça va être alterné. Ouais, on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc la vie remonte petit à petit, ou alors sinon faut l'approcher du cristal pour qu'il soigne plus vite. Mais... Ok, on a quelques trucs comme ça, on est plutôt bien en termes de fer. Donc maintenant, l'objectif ça va être les murs. Alors j'ai peut-être été un petit peu bourrin là avec ma zone de bois par contre, à se détendre. Des petites lanternes. Ça servira quand il fera nuit. Alors, en attendant qu'ils construisent, ben on va continuer de designer un petit peu de plan, hein. Il n'y a pas de raison. Donc ici, on va monter encore d'un niveau, c'est parfait. Ah, d'ailleurs, on va plutôt poser quelques petites mortaises, n'est-ce pas? De cette manière. De cette manière. Alors c'est important d'essayer de mettre des briques un peu comme des Lego et pas. Parce que si on pilait, si on détruit celle du bas, ça tout Ouais, s'effondre. tout s'effondre, ouais, c'est ça. Donc là c'est un Comme peu des la Lego. merde. Typiquement là c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. On fera avec, pas le choix, le mur n'est pas de la bonne longueur. Alors ici on a des mortaises, on va donc pouvoir foutre des poutres, n'est-ce pas? Ensuite... non, là je veux des mortaises hantées. Hop.
Voilà. On avance. On progresse. On ne va pas mourir tout de suite. De toute façon, très honnêtement, je préviens les viewers, je me galère encore grave sur les bâtiments. D'autant qu'on peut pas mettre pause pour les construire. Donc il y a des trucs, ça va être un peu pas optimal, un peu à l'arrache, voilà, voilà. Et bah ça sera comme ça et puis c'est tout. Envie de dire, il nous faut des planches. Hop, 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 voilà. Et hop là, c'est pas mal ça déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, ce qu'on va même faire ici, on va foutre. Alors, le coup des parapets pour que les archers puissent. S'avancer et tirer sur les trucs en bas, c'est ultra vicieux quand même, hein. Je tiens à le dire. En fait, si vous foutez vos archers sur votre mur là, genre ici là, bah ils peuvent pas tirer sur les mecs juste en dessous parce qu'ils tirent, ils se baissent et puis ils tirent dans le mur en fait. Donc il faut mettre des petits parapets pour qu'ils puissent tirer d'en haut. Et ça, et ben, c'est pas trivial. Très très clairement. Hop. Hop, hop. Merde, raté. J'ai foutu un bloc mal placé, voilà. J'ai l'impression que mes mecs ne font rien par contre, et ça c'est très très mal. Pourquoi vous bossez pas dans ma mine là? Est-ce qu'il y a pareil, il y a des trucs à aplanir et tout, qu'est-ce qu'ils foutent? La répartition des jobs est pas toujours la plus évidente. Ouais, mais là ils sont tous en train de rien foutre quand même. Je m'interroge si je mets un peu plus de priorité là-dessus. Non ? Les gars ? Ouais, je les ai affectés à la tâche, mais ils y vont quand même pas. Ah si, ça y est, ils y vont. Ok. Voilà qui est particulier. Ouais non, ils bossent pas là. Je les affecte à la tâche, ils y vont, mais ils foutent rien. Mouais. Bah j'ai peur qu'on prenne cher du coup. lors de la prochaine vague. Parce que si les mecs ils foutent rien... Qu'est-ce qu'ils refusent de faire? Bah en fait ils vont jusqu'au truc où ils avaient commencé, puis après ils s'y mettent pas quoi. Est-ce que t'as un stockage disponible pour mettre de la roche? Bah normalement il me dit que j'ai... Ah oui mais oui parce que je suis con effectivement, j'ai 5 palettes disponibles sauf que c'est des palettes que j'ai spécialisées. Voilà, ceci explique cela. C'est pour ça, autant pour moi. Bah vous pouvez lâcher cette tâche, et puis vous mettre à taffer... Non merde. Je crois que ça a foiré mon truc là. Allez, hop, vous là. Lâchez cette tâche. Ce truc de ramassage de plantes, il sert plus à rien puisqu'il n'y a pas de plantes à ramasser, donc vous allez me la réduire. Hop là. Allez, c'est parti. Voilà. Ici. Une tâche de ramassage des pierres sur ces cailloux. Secondes. Ouais, et du coup, moi il me manquait. Ah non, vous allez me dire que j'ai détruit sans faire exprès mon plan ici, sérieux? Ah bah oui. Très très bien. C'est ballot. Et bah du coup, c'est ballot, faut qu'on refasse. À la loose. Le con quoi. Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai voulu supprimer une rangée de palettes que j'avais foutues n'importe où parce que je voulais faire un carré de sélection, c'est pour sélectionner les mecs, et j'ai construit des palettes à la place dans un mur, dans la montagne. Donc j'ai cliqué sur Dell et ça a délété toute ma tâche de bâtissage. Joyeux. Ah, ils sont là. Aux Ils armes! sont chez toi encore? Ouais, enfin en tout cas j'en ai trois là. Quatre en vrai. Ah oui, 4, exact. Truc que j'ai remarqué par rapport à quand je jouais, c'est qu'ils ont largement baissé les dégâts des archers. Ah ouais? Mais augmenté leur vitesse de tir. Avant, ils tiraient vraiment plus lentement, mais ils faisaient pas mal de dégâts. Et maintenant, c'est des Gatling à flèche, quoi, les gars. Oh, ils font bien le taf, ouais, c'est clair. Là, je dois avouer. Ah oui, en fait, du coup, ça a carrément supprimé tous mes murs. Très très bien. Ah oui, ça a supprimé la tâche. Fâchier. On va refaire, c'est pas grave. Après tout, on est là pour ça. Donc ici, on décale un petit peu, histoire que ça soit pas totalement foireux. Donc on va déjà leur demander de bosser là-dessus. Après, est-ce qu'il y a moyen de refaire une nouvelle tâche de construction? Je crois que j'avais trouvé comment faire. Ouais, tu maintiens ton curseur, tu peux en faire deux différentes. Hein. Comme ça, tu forces à assigner une tâche ou à une autre. Tu dis, je maintiens quoi? Donc, comme pour créer une tâche, tu maintiens ton bouton droit, tu sélectionnes construction, tu fais la première, et après, donc tu dis ce que tu veux construire, et après, tu désélectionnes avec tab, et puis tu refais la même chose, tu maintiens le bouton droit, Ah construction, oui, ça te crée une deuxième zone de construction. du coup, la couleur n'est pas la même, effectivement. Comme ça, en fait, tu peux mettre des trucs en favori. Par exemple, la tâche de réparation des murs, tu peux la mettre en favori. Ok, merci pour l'astuce. Pas de soucis. Bon, après, moi, j'utilise très peu ça, généralement. Bah, disons que si c'est pour faire des misclics. Voilà quoi. Tu m'as compris. Ne sois pas si salé. La partie commence à peine. Hop là, alors ici il me faut des T parce que sinon c'est pas joli. Voilà, ensuite des petits piliers en dessous. Des petites poutres de cette manière. Des petites planches. Faut que je surveille mon cristal pour être sûr qu'ils sont pas à rien foutre. Qu'on voit là, si jamais ils bossent pas, ils arrivent tous ici là. Et donc un escalier. Bah, j'ai envie de dire qu'on a un magnifique trou ici. On va le foutre là, l'escalier. Alors par contre, faut encore que j'arrive à le faire. Voilà. Nickel. On peut même faire un petit escalier pour monter encore plus en haut, si on a envie. Je pense qu'ils doivent pouvoir y aller là. Allez, c'est parti. En avant les gars. Alors, des palettes. Parce que dis donc, ils se font plaisir en termes de palettes. Il n'y a pas à chier. Raté. Oula. J'adore quand ils se foirent et que les trucs ils s'envolent quoi. Oui, c'est toujours très. Ça demande un peu ce qui s'est passé. Alors, on va faire une forge. Parce qu'il va être temps, je pense. Encore quelques lingots de fer, s'il vous plaît. On a les ressources, donc autant y aller.
Alors, cette tâche-là, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus prioritaire, s'il vous plaît. D'autant qu'ici, j'ai dû supprimer le mur, oui, tout à fait. Ah oui, alors là, il va commencer à faire nuit. Alors la nuit, j'ai vu que c'est pas de la nuit pour déconner, quoi. Hein, c'est... Quand il fait nuit, quoi. Ah oui, clairement, c'est pas drôle. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié dans mes murs. C'est de faire une porte. Ouais. Est-ce grave? Pour l'instant, non. Ouais, voilà. Ouais, il commence à faire nuit. C'est mort. S'il n'y a pas de lanterne, on peut rien. On peut pas faire. On peut pas faire. Donc on va foutre une lanterne. Sur ce mur-là, peut-être pas. On va la mettre devant pour l'instant. Alors, mon de nuit, c'est encore relativement voir. Je sais pas comment régler ton gamma, mais. Bah, disons que là, il y a un endroit où je voulais aller, c'était dans l'ombre, et bah non, on voit que dalle quoi. C'est juste pas possible. Non, c'est pas ça. Hop, une nouvelle tâche de construction, s'il vous plaît. Non, d'ailleurs, c'est même pas ça. Si c'est bien cette tâche-là que je voulais. Excusez-moi. On va faire une porte peut-être ici d'ailleurs. Je sais pas si les ennemis sont capables de se dire tiens, il y a une porte, on va attaquer cet endroit-là, c'est le plus faible. Je sais pas, moi j'ai compté là-dessus en tout cas. Dans le doute, j'ai quand même prévu des défenses sur les autres murs, mais j'ai quand même compté sur le fait qu'ils attaquent la porte. Ah oui, t'as compté là-dessus, c'est ça que tu voulais dire, ok. Ouais. Sinon, toute ma Bah, stratégie tombe un peu à l'eau. Bon. j'avoue que moi du coup je comptais plutôt pas là-dessus, donc du coup voilà. je vais changer ma stratégie, parce que je pense que tu maîtrises le jeu un chouïa plus que moi. J'ai surtout fait beaucoup de construction. Je pense bien un jeu pareil. Oui, j'imagine, tu t'es lancé dans les 27 travaux. Pas à ce point-là. Un, ça suffit. Ça prend tellement de temps à designer. Alors, il nous faudrait une petite lanterne près de la forêt, voilà. Une ici, ce serait pas un luxe non plus. Récupère pas masse de pierres, les gens, hein. Hop, on va leur demander de récolter un peu plus de pierres si c'est possible. Le bois faut arrêter quoi. On a plus que, on sait plus quoi en foutre du bois. Il y a ici aussi, il faut qu'on bloque. On va qu'on sort une petite lanterne par là-bas. Hop là. Structure. On va faire un petit hôtel. Avec sa petite palette à côté. Voilà. Ouais, c'est là. Pour l'instant, c'est la pierre, moi, qui me manque le plus. On va prendre un mec là et on va l'assigner à la pierre en permanence. Ce sera pas plus mal. Enfin, à la mine, pardon. Sept secondes pour la prochaine vague. C'est dommage, j'aurais pas réussi à faire ma forge. Alors, est-ce qu'ils vont t'arriver dessus cette fois?
Parce qu'on a testé quand même un petit peu avant le multi pour être sûr que ça partait pas en sucette et on s'est pris des vagues des deux côtés quand même. Ouais. Le modeur avait dit que ça avait tendance à faire l'un et puis l'autre. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas dit d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description, mais en fait de base le jeu ne permet pas, enfin ne permet plus, puisqu'a priori il l'a fait à une époque et maintenant il ne le fait plus, de jouer en coopératif mais en ayant deux villages différents. C'est-à-dire que quand on joue en coopératif en invasion, on dirige les mêmes briquetons quoi. Ce qui peut être intéressant sur le long terme, je pense que. Ouais, quand t'as beaucoup de briquetons ça peut être intéressant, mais avec les 5 du début tu galères un peu quand même, hein. Ça vient chez moi Ouais, je les et vois ça ne sur claque la pas map, forcément les mais... portes. Ok. Ah ouais, t'as déjà des tours et tout, quoi. Le mec, il déconne pas. Bon, j'en suis encore à fabriquer mon premier hôtel. Hop, on va faire des trucs comme ça parce qu'on va en avoir besoin en stock. Tâche de réparation. Du coup, vu qu'on va avoir pour l'instant pas de porte, il nous faut plus d'archers, hein, très très clairement. M'ennuie ce truc de porte. Ça me semblait étrange aussi qu'ils se concentrent sur les portes. Bah, ce serait logique quoi, Bah pour moi, parce que je pense qu'elles ont moins de vie. Elles ont quand même largement moins de vie qu'un bloc. ouais, mais techniquement, ils peuvent pas forcément. Enfin, c'est. Ça voudrait dire qu'ils aient un calcul du chemin qui. Là, qui prend en compte la résistance moindre, quoi. Ouais. Il y a un genre de chemin le plus court, quoi. Alors que réellement, eux, enfin, ils sont pas censés avoir un cerveau plus que ça, quoi. Juste, ils chargent et puis. Ouais. Je pense que c'est parce que j'ai mis une porte. Si je mets pas de porte, ça devrait aller. Mais sur le long terme, pas de porte, c'est un peu dangereux. Ouais, pas du tout de porte, c'est un peu la merde quand même. Il nous faut plus de lumière. T'as repoussé l'attaque, c'est bon, pas de soucis. Ouais, à ce niveau-là, je pense que rien qu'avec mes briquetons, je pouvais m'en sortir. Ça y est, on commence à avoir de la caillasse. Parfait, ça va aller un peu plus vite. Donc ici, j'ai envie de faire un truc différent. Je vais leur demander encore de surélever un petit peu le terrain. Alors, on dirait que... Non, merde. Barre-toi, toi. Toi, petit lag, cette tâche-là que je voudrais, moi. Voilà, je voudrais que vous suréleviez encore un cran. Comme ça, on va essayer de faire un truc vraiment enfin, sans plateforme. Allez, on va pouvoir invoquer bientôt un nouveau Brictron, ce sera parfait. Donc ici c'est pas encore du tout fermé, hein, c'est pas grave. On s'en remettra. Vais faire comme toi des balises sentinelles parce que ça a l'air de faire le taf quand même. Donc c'est intéressant au moins dans le premier temps pour les calmer quoi. Genre ils arrivent et tu les calmes direct. Tu commences un peu déjà à les laminer avant que... Oui, après elles surchauffent très vite, elles font pas énormément de dégâts, mais au moins quand t'as. Je veux dire quand t'oublies ou que t'en as un qui vient simplement d'un côté, ça peut te sauver la mise, quoi. Et puis ça fait classe. Parce que des petits trucs rouges qui vont dans tous les sens, c'est classe. Je comprends, je comprends. Bon bah écoute, on peut pas mettre pause, mais c'est quand même la fin du premier épisode, puisque bah, il est déjà bien assez long. Donc on va se quitter là.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on en fasse plus, si vous trouvez ça pourri. Et puis, bah, dans tous les cas, on se dit à très bientôt. Merci, Katox. Ouais, pas de soucis, salut.